Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque j'aimerais vous parler d'une sorte de box littéraire que j'ai découvert il y a quelques mois. Donc j'ai commandé ma première box là, donc je vais l'ouvrir devant vous, mais je vais commencer d'abord par vous expliquer le concept. Donc cette box, c'est la box Exploratology. À l'origine de cette box, il y a une jeune femme, donc la fondatrice, qui s'appelle Marjorie, qui aimait beaucoup lire et qui s'est dit « Tiens, si je faisais partager mes lectures autour de moi ?» Donc elle a fondé cette sorte de box. Donc c'est un peu spécial, c'est-à-dire que moi j'ai choisi l'abonnement roman. Donc en fait, tous les mois, on reçoit un roman sur un thème précis. Et avec des petits goodies, de genre des bonbons, du thé, etc. Et en fait, il y a plusieurs autres abonnements. Donc il y a donc cet abonnement roman. Il y a un abonnement roman gros lecteur. Donc au lieu qu'il y ait un seul livre, il y en a entre 2 et 3, plus pareil des goodies. Et un abonnement magazine, donc un magazine et des goodies. Sachant qu'à côté il y a aussi des abonnements thématiques, par exemple sur l'enfance, des choses comme ça. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, sachant que chaque abonnement est personnalisable entièrement, c'est-à-dire que par exemple si vous n'aimez pas le thé, vous pouvez le préciser et on vous enverra autre chose que du thé, d'autres choses à manger, des petites choses comme ça, donc ça c'est assez sympa déjà. C'est une box surtout qui est basée sur la découverte, donc on ne sait évidemment pas à l'avance quel est le livre qu'on va recevoir, on sait juste le thème. Et surtout c'est des petites découvertes, c'est-à-dire que c'est des coups de cœur qui sont propres à l'équipe, donc surtout à Marjorie. C'est pas le genre de box dans lequel vous trouverez des best-sellers du type, je sais pas, Divergente ou des choses comme ça. C'est vraiment des coups de cœur d'une personne, un peu comme si vous demandiez l'avis de votre libraire. Donc il faut jouer le jeu évidemment, il faut être dans cette optique, bon je ne sais pas ce qu'on m'envoie, je sais que c'est un livre qu'a beaucoup aimé la personne qui me l'envoie, et je me base sur ça pour me dire pourquoi pas, ça me semble sympa quoi. Donc voilà pour ce qui est du concept, je crois que j'ai tout dit, allez voir, enfin je vous mettrai le lien du site en barre d'infos parce que c'est vraiment, enfin le site en lui-même est assez drôle et assez bien conçu. Donc le thème de ce mois-ci c'était Histoire du Japon. Donc bah c'est parti, je vais l'ouvrir devant vous et on va voir ensemble ce que contient cette box. Donc c'est, ça se présente, donc moi c'est juste un seul roman, donc c'est juste une lettre, c'est pas vraiment un colis. Donc il y a juste, c'est juste une enveloppe et vous voyez que ici il y a un petit sticker avec la vague de Kusai, donc qui est évidemment en rapport avec le Japon. Donc à l'intérieur, je trouve que la chose se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est emballé à la main, c'est ça qui est trop mignon, regardez. Trop chou. Voilà, donc chaque chose est emballée à la main, donc avec des petites pochettes craft et un petit ruban, voilà. Donc ça je suppose que c'est les goodies avec toujours ce petit sticker. Alors je vais commencer par le livre. Regardez un peu ce petit masking tape trop choupinou avec des fleurs. Alors, on a des éditions Point. Et c'est un pavé en plus. Alors, il s'agit de Les Mille Automnes de Jacob et Zoé de David Mitchell. La couverture est vraiment belle. Donc c'est chez les éditions Point, grand roman. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve ça un peu difficile à résumer avec mes propres mots, donc je vais juste vous le lire. Dejima, comptoir de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou la promesse d'une fortune facile. Jeune Claire, Jacob de Zoët débarque sur l'île en 1799, bercé par l'espoir d'un mariage à son retour. Là, il est comme envoûté par Mademoiselle Aibagava, douce sage-femme au village entièrement brûlé. Or, la demoiselle est enlevée sous ses yeux par le diabolique Enomoto et conduite sur le mot Shiranui. Trop de mots compliqués. Voilà. Donc, ce que je trouve assez sympa avec ce système d'abonnement, c'est que, clairement, bon, même si la couverture est très belle, je pense que c'est pas un livre que j'aurais, je sais pas, sorti des rayons de la bibliothèque ou que j'aurais pris dans mes mains dans une librairie.
Et en fait, ça nous fait vraiment découvrir des bouquins qu'on n'aurait pas choisis si on ne les avait pas mis dans les mains en nous disant « lisez-le, c'est vachement bien ». Du coup, c'est vrai que j'avais juste vu la couverture parce que j'ai encore traîné sur Instagram quand il fallait pas, et du coup, j'avais vu le livre, mais je ne savais pas l'histoire. Donc ça m'a l'air vraiment, vraiment chouette, et donc j'ai assez hâte de le lire. Et je vais donc vous ouvrir en plus les petits goodies. Et il y aura, j'ai un petit bonbon à la pomme. J'ai du thé vert et du thé oolong dans deux petits sachets comme ceci, qui ont l'air assez bon. Le packaging est sympa, regardez, on voit le thé derrière. Et donc il y a une petite, comme ça, une petite carte postale donc en rapport avec le Japon avec un éléphant dessus. Et un petit prospectus qui parle de tout ce qui est du livre en lui-même en fait, et de pourquoi Marjorie l'a bien aimé, des choses comme ça. Donc il parle, qui est entièrement sur le thème dédié, donc qui parle du livre, qui parle des goodies, etc. C'est découpé et plié à la main, c'est vraiment chouette, et il y a un super tampon juste là. Donc voilà, alors franchement je ne suis pas déçue du tout, le thé a l'air très bon, et on sent que le livre a l'air génial, et surtout... On sent que le truc il a été fait entièrement à la main et avec amour quoi. On est vachement loin des box type, je sais pas, les T-box ou les box du type les box de beauté, des choses comme ça, où c'est vraiment, tu sens que genre c'est des employés, etc. Là tu sens que c'est une toute petite équipe qui fait tout à la main. D'ailleurs il me semble qu'ils font, enfin ils vont jusqu'à la poste où ils font livrer en vélo. Enfin c'est très... voilà, donc ça déjà ça se sent, c'est un gros bon point. Donc en fait pour moi le seul point noir entre guillemets, on va parler des choses qui fâchent, c'est le prix. C'est-à-dire que l'abonnement, donc c'est décroissant, c'est-à-dire que plus vous vous abonnez longtemps, moins vous payez cher, mais clairement l'abonnement un mois c'est 15,90€, donc livraison offerte. Et souvent c'est un livre poche, c'est-à-dire que ça va être, 10-11€ maximum. Donc vous me direz, pour ce qu'il y a autour, pour le livre conseillé, pour les goodies, pour les frais de port qui sont offerts, on y arrive facilement. Après, je ne serai pas prête à mettre tout le temps cette somme dans cette box-là. Mais franchement, en one shot, ou si ça vous intéresse à la longue pour découvrir d'autres abonnements, si vous voulez pas attendre le thème avant par exemple, foncez. Franchement, la box est vraiment géniale. Je la trouve assez peu connue. Il me semble que j'étais tombée dessus par hasard sur un blog, des choses comme ça. Et pourtant c'est que du bon quoi. Donc voilà, je vais vous mettre tous les liens par rapport au site et à la box dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à essayer, à vous abonner. Et puis dites-moi si vous avez essayé, ce que vous en pensez, etc. Ça me fera très plaisir d'avoir un peu des retours comme ça. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce petit unboxing surprise vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!